clipper, s'il vous plaît. Et oui, chat, si vous êtes niveau 5 à 70 sur Call of Duty, il y a un script qui fait que vous êtes avantagé. Vos balles touchent plus, mes balles touchent moins. Vous avez plus de chance, j'en ai moins. Et je gagne quand même ? Oui. Bisous. 16k sub, les gars. Et du coup, il y a le délire qui est mis en place. C'est-à-dire que je vais acheter une voiture, les gars, que je vais... Déjà, que vous allez choisir, tu vois. Déjà, ça, c'est marrant. Et on va la full custom. T'sais, genre, j'ai des idées, les gars, genre lui faire une sorte de covering essence, mais un essence qui est un peu tourné vers le violet, dans laquelle on incruste des émotes et tout. Enfin, il y a moyen tellement de faire un truc de malade mental. Je suis très 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 hype. Je rappelle qu'il y a un tweet pour lequel vous, juste en dessous duquel vous pouvez proposer les voitures et tout. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, que notre spawn. Oh oh. Fuck you! Il y en a un, les gars, qui a proposé une... Moi, pour le moment, dans les propositions que je trouve les plus cool, le C15 du Seigneur, je vous avoue que ça me fait rire. Mais en termes de praticité, j'ai un petit coup de cœur pour la Abarth. La Abarth en full custom, il faut juste savoir si je rentre dedans. Mais la Abarth en full custom, je pense que ce serait une folie. Et il y en a eu d'autres qui étaient plutôt sympas, tu vois. Il y a eu des deux Dush, Cochonou, enfin... Vous êtes amusés, hein. La I3 pour rester dans la famille. Ah mais s'il y a un petit partenariat BM qui part, une petite I3 custom ou une deuxième I8. La I8 du Seigneur, gros. Si elle a des coups de clé, on s'en fout, celle-là. Allez, les gars. On part sur une petite classe Milano Car pour commencer la journée tranquillement dans la bonne humeur. Le train couillon, gros. Mais non, là, et la bûche. Merde. Et la bûche. Mec, elle était trop mignonne, ta réaction hier. Je suis content que ça t'ait fait plaisir. Ce mec, tu te demandes comment il a encore du courage de se connecter. Ah les gars, pour le moment c'est la première gamme de la journée, je suis pas encore tombé sur un cheater. Pour le moment ça va, tu vois. Mais vous le vivez que là forcément je vais tomber sur 10 cheaters par game soon. Un Bambi.
quoi? 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 L'avare! Alors, on va aller voir la vidéo. Ça peut avoir de grosses incidences, hein, parce que c'est vrai que ce tac, il est par derrière. Nous, on parle d'un carton jaune. Ça peut être une exclusion. Oui, parce qu'il va vérifier lui-même. Quoi? J'ai bien peur que ce soit une exclusion. Mais... Encore ? Mais mec, tu campes sur le toit... Mais c'est la tête ! Mais... Monsieur l'arbitre ! Monsieur... les regardateurs ! Je... vous implore... de faire que mes balles touchent ! Car... de mon sceptre à lécher, je fis à peu près ce langage. Face de pute activiste. Est-ce que je pense que la première game est gagnée? Il y a de fortes chances, chat, hein, que je gagne la première game. Je gagnerai sûrement la seconde et la troisième. Après, il y a les streamhackers qui vont venir, donc ce sera un peu plus dur. Mais dans l'idée, tu vois, je peux faire ça. Ouais, chat. Quel enfant de pute, quel enfant de pute. Quel enfant de pute. Lui, les gars, il faut le roux, on est d'accord. Comment on fait, les gars? Comment on fait? Apprenez-moi, les gars. Je veux rentrer dans ce mur et le tuer. Monte sur le pilier. Ok, chat. Je monte là-dessus. Là-dessus. Alors, option 1. Option 2. Option 3. Option 4. Je sais pas faire, putain. Quand je vois que je suis mort à 1600 mètres, les gars. Fais chier. Ah, il faut que j'apprenne à faire ce move. Vas-y, on... Putain, je l'ai vu rentrer dans le mur devant moi, les gars. C'est rageant. Ça me frustre, les gars. Je vais... C'était quoi son pseudo? Est-ce que vous avez son pseudo, chat? Tu l'as en MP Twitter. De comment on glitch? Tatanus? Ou le clip? De comment on glitch? Ok. C'est... Faut vraiment être une raclure, les gars, pour faire ça.
Lève la tête. Lève la tête. Quoi? Ce snipe, les gars, poubelle. Il vaut mieux jouer avec une seule arme qu'avec une arme qui t'handicape. Je me souviens de son perso, mais je me souviens pas de son pseudo. Le petit droit marche plus. Ça marche. C'est pas ma souris qui a un défaut, elle est quasi neuve. C'est quoi ce snipe à la con, les gars? All timing. Le gaz se rapproche. Rejoignez la nouvelle zone. J'ai allumé, les gars. Ouf. Oh, le skin de base, les gars, qui tire comme ça. Eh, monte ton IMBot, hein, oncle Chaud. Quoi? Ah bah il avait plus de shield. Ouais, le cheater il avait plus de shield. C'est hype, hein, cet endroit. Tu crois ta meilleure split que show? Tu crois t'es meilleur que Show toi aussi? Show imprenable. Show légende. Show destructeur de gruyère. Show mort. Par un niveau 315 qui campait sur le toit, putain. Du Lego que tu aimerais mettre avec un peu de risotto. Mais qui est vraiment tu, chaud? Largage tactique allié imminent. Eh, hey, tue-moi! T'as pas les couilles! Voilà. Comme ça, je reviens avec deux plaques, les gars. Économie d'argent, chat. C'était lui? Quoi? Celui qui est en train de glitch dans le mur, c'est à niveau 300? Non, chat. Non, chat. L'ennemi a lancé un drone amélioré. On est exposé. On bat les couilles, frère. Nous améliorer, je lui pisse dans la teubou, je t'as vu. Bon, allez. On va chercher notre colis, là. Que j'ai balancé exprès pour avoir deux colis. Alors, j'ai pas de plaque, les gars. J'ai pas de masque. La cible mise à prix a été
J'ai pas de balles non plus. Du coup, je vais faire ce que toute personne censée ferait. Je vais prendre un autoréa. Parce que les plaques, au final, ça se trouve. Ce mec là, je pense qu'il a ce que je veux. T'as un 10 grammes, cousin ? Non, pas de grenade, pas de grenade, pas de grenade, pas de grenade. Le noscope ? Oui ! Hop là. Et là, les gars, on se met bien, tu vois. Moi, c'est ce que j'appelle se refaire la cerise. Y'a plus qu'à refermer les portes. Eh. C'est pas un bar à pute ici. Hein. Et on referme absolument toutes les portes. Hop. On a 17 kills. On a l'information sur la hauteur juste avant qu'il saute. Il va se passer quelque chose. Ici. Ah. J'ai entendu quelqu'un jouer, chat. S'il vous plaît. Le gaz se rapproche. Changement de zone de sécurité. Non mais mes balles sont dessus hein. Les deux balles sont dessus, j'ai aucun doute là-dessus. C'est ce putain de script gros, ça doit être un niveau 10, un niveau 10 ou un truc comme ça, du coup mes balles elles passent à travers. Alors là les gars, j'ai le choix, soit j'avance avec le gaz, soit je fais ce genre de move. Un long vol sur le côté avec un allongage sur le côté là. On prend l'arme. Bon là je l'ai raté. Là je l'ai raté. Hop. Et on va se mettre derrière le caillou. En fait là je vais jouer le positionnement tranquille. Je sais qu'il y a quelqu'un à droite et je me doute que l'autre est à gauche. Donc je vais voir le mec à droite où est-ce qu'il est à peu près. Bijou bijou le monsieur. C'est Chohachin. Le Lord de Warzone. Show H1. Oh merde. Qui était niveau 20. Vas-y, on va regarder le clip en suivant. Merci Colonel Barrett. C'est la première game de la journée. Ça part comme ça. Hey, guys, in all this stupid, no skill, no level, you all suck fucking retard. So easy. On va regarder la scène. Est-ce que Shaw est de mauvaise foi? Ou est-ce que Call of Duty utilise un script? Elles sont parfaites. Elles sont parfaites, les gars. Elles sont parfaites. Regardez, les gars. Attends. Elle est dans le cul. Elle est dans le cul. À la limite, celle-ci est tendancieuse. Mais celle-ci, par contre, chat. Non mais chat ! Chat ! Chat ! Non mais elle lui traverse, je lui explose les tripes. Regarde ça, il y a le hit qui pop à travers lui. Hop, je recharge. Interloqué. Je prévois l'avancée en mettant le viseur juste un petit millimètre devant.
tu vois, juste un petit millimètre pour que la balle lui explose l'épaule. Le hit est juste derrière lui. Il passe à travers.